La Guenon, le singe et la noix, de Jean-Pierre Clarisse de Florent. Une jeune guenon cueillit une noix dans sa coque verte. Elle y porte la dent, fait la grimace. « Ah, certes, dit-elle, ma mère mentit quand elle m'assura que les noix étaient bonnes. » Puis, croyant aux discours de ces vieilles personnes qui trompent la jeunesse, au diable soit le fruit. Elle jeta la noix. Un singe la ramasse, vite, entre deux cailloux la casse. L'épluche la mange et lui dit « Votre mère eut raison, mamie, les noix ont fort bon goût, mais il faut les ouvrir. Souvenez-vous que dans la vie, sans un peu de travail, on n'a point de plaisir. »